Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu dont on a entendu parler, c'est Mass Effect Andromeda. On est pas au début du jeu mais quasiment, et je vais faire pas mal de vidéos détente avec vous. Alors je ne ferai pas de let's play parce que c'est ma première run, et que ma première run ça, je risque de bugger de temps en temps, etc. Donc pas sur un let's play là-dessus. Puis il y en a déjà plein en vidéo. Par contre des vidéos où on va se détendre, et je me tairai pendant les cinématiques parce que je découvre le jeu. Ces images là, il en manque. Je me demande s'il y en a dans le coin. Donc j'écouterai. Si je verrai quelque chose au scanner. Ah d'accord. Attends. Hop. Faut scanner. Donc bah, écoutez, on se retrouve. Alors vous voyez que on dirait que je joue à la manette, et c'est le cas. On dirait que je suis sur Xbox One. Mais non, je suis. Vous pouvoir localiser ces glyphes pionniers. D'accord. Mais on joue sur PC. Ils veulent qu'on aille où? Attendez. Là. Chercher des glyphes avec le scanner. 0 sur 2. C'est pas le bon glyphe. C'est ça? Non. Non. Alors ça y est, on va commencer à bugger pour la vidéo. Ouais, donc on est sur PC. Je joue avec la manette Xbox One. Bah parce que, en fait, faut savoir que moi j'ai suis un gros fan de la première trilogie, et j'avais joué sur Xbox 360 la première fois que j'ai fait cette trilogie. Je l'ai fait deux fois, donc une fois sur 360 et puis une deuxième fois sur PC. Mais j'ai toujours joué au final avec la manette, même si Mass Effect 1, je crois qu'on joue avec le clavier souris. Je crois qu'on joue avec le clavier souris. Mass Effect 1, car ce n'était pas encore réglé. Donc ben, ça fait plaisir en tout cas. Attendez, on est les radiations, on va ressortir. C'est pas là qu'il chercher des glyphes avec le scanner. 0 sur 2 0 sur 2. Il faut qu'on aille où? Parce que on croirait que c'est là, mais on les entend sauter, nos coéquipiers. Faut qu'on monte. C'est là où? Non, non. Est-ce qu'on a raté quelque chose les gars? Attendez. Ça. Non. Est-ce que ça peut être ça? Non. Donc quand, avec le scanner, ça sera un truc genre tout rouge quand on aura quelque chose d'intéressant. Mais attendez, on va rouvrir la map parce que là, c'est là pourtant on est. On va zoomer. Est-ce qu'on peut. On peut pas zoomer plus, mais c'est là, on est sur le point pourtant. Il veut rien faire. Ces images là, il en manque. Je me demande s'il y en a dans le coin. Oui, tu m'énerves. Tu m'énerves, ça y est, on commence bien cette vidéo avec un ramant en étant bloqué. Attendez, ça nous fait. Est-ce que ce serait ça? On nous dirait genre d'aller d'aller là. Est-ce que c'est ça que ça nous dit? Ah, on peut peut-être monter. Mais on va être radié. Hein. Radiation. On va être mal. Les radiations occasionnent des dégâts. Oui. J'ai pas envie de mourir moi. Allez vite, on ressort. Comment les on fait? Les niveaux de radiation ne dépassent pas les limites acceptables. Pourtant ça a l'air genre de survie rétabli. De nous guider là-haut. Donc je pense qu'il faut monter. On va essayer. On va essayer. Les niveaux de radiation augmentent. Oui, oui. Hop. Alors est-ce que ça peut être par là? Le problème c'est que là on n'est pas sous protection de radiation. Est-ce que... Niveau de radiation normaux. Ah ben ça va. Est-ce que c'est ça? Glyphe synaptique. Il scanne. Scan terminé. On est 1 sur 2. On a réussi. Est-ce qu'on... Est-ce que ce serait pas de la... Ouais, non. Oh, on a réussi à l'atteindre. Est-ce que c'est par là? Est-ce que ce serait pas ça là-bas? On est trop loin. Attends, non. Réfléchissons. Est-ce que ce serait ça? On se balade, hein, voilà. Il n'y a pas toujours un. Pas d'autres glyphes dans les environs. Ok. Et on peut retomber. Hop. Oh, hop. On met un petit coup de jetpack. La mobilité du jeu, elle est devenue vraiment cool. Bon après ça va être voilà une vidéo là. Ça va être un peu plus animé maintenant. On arrête d'être tout perdu. Ça fait un truc. Je vois des chemins qui s'allument un peu partout. Les monolithes résonnent. Est-ce que ce serait des encibles? Je sais pas trop ce qui se passe, mais ils sont en train de se connecter. Bien joué. Vous arrêtez pas en si bon chemin. Ok.
Activer les monolithes reliquats. On est à 2 sur 3. On va aller chercher notre nomade. C'est plus le Mako. Comme on l'appelait par le passé sur Mass Effect 1. On va éviter de tomber aussi. Est-ce qu'on peut l'atteindre là? Est-ce qu'on prend le risque les gars? Allez. Moi j'y crois. Oui, c'est passé. Et le Mako est par là. Voilà. Il est là. Parce que je crois qu'il faut qu'on y aille en Mako dans la prochaine zone. On regarde la map. Voilà, c'est là. On va essayer d'y aller en Mako et on va se balader. Donc, je vais vous faire pas mal de vidéos détente. Alors, pas des... peut-être... Si, un certain nombre à voir si ça plaît. Peut-être pas quand, quand ça va devenir fou dans des quêtes principales. Enfin, c'est une quête, la quête principale là, mais... Peut-être pas au moment fou, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut pas? Non. Hop, faut qu'on prenne ce chemin. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse tout le tour. Qu'on prenne cette route. Parce que... Sauf s'il y a un... Sauf s'il y a un tunnel. Donc ouais, je vais vous proposer des vidéos assez souvent. Il faut savoir que je suis un gros fan de la trilogie Mass Effect. Qu'il a eu des mauvais retours. Mais que quand t'es fan de Mass Effect, moi je dis ne soyez pas fiers de vous ceux qui l'avaient bâché parce que il mérite pas tous bâche ce jeu. Alors il a des défauts, mais il a beaucoup de qualité. Et voilà, et on dirait que c'était juste voilà, pour faire comme tout le monde, les gens ils se sont amusés à le bâche. Parce qu'il fallait suivre l'effet de maître, le côté moutonnade, à dire ce jeu il est nul. Non, quand t'as aimé la trilogie Mass Effect, il y a des trucs qui te dérangent. Alors, soit, il y a des petits trucs qui te dérangent, moi le premier. Mais il y a... Mince quoi, tu reviens dans cet univers qui est juste cultissime, qui est génialissime. L'histoire, alors, il y a des petites incohérences, mais petites, mais ça reste cohérent. Les planètes sont super belles, ça fait du bien de se promener là-dessus. Ah, il faut qu'on aille là-haut, alors est-ce qu'on peut y aller à pied? Les gens du site 1 s'intéressaient aux monolithes, eux aussi. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Hop, là, hop, on est le sirop motrice, on va mettre les gaz. Voilà, et je pense que c'est là qu'il fallait aller, on regarde la map. Je regarde beaucoup la map parce que j'ai pas envie de me perdre non plus. Et de vous amener dans des endroits débiles. Je pense qu'on va pouvoir se garer là. On va finir à pied. Allez, hop. Non, ça c'est... Allez, zou, en avant. Allez, les gars. Hop, on monte. Les niveaux de radiation ne dépassent pas les limites acceptables. C'est pour ça, on est dans ces zones, vous voyez, qui font que... Ah, il va y avoir des ennemis. Voilà, c'est parti. On va un peu s'amuser, ça va un peu... Alors, à la manette, c'est pas forcément le plus efficace. C'est pour ça que je ne joue pas au niveau le... le plus dur, hein, largement pas. Je suis à un niveau normal, je crois, parce que bah parce qu'à la manette, je suis pas trop improvisé. Ok, ok. Si, j'en ai trouvé une autre. Alors, ça va être pareil, on va pas pouvoir l'activer là. Décryptage reliquat, analyse impossible en raison d'informations en scanner les environs. Ok. Un scan vous permettra de trouver les glyphes manquants. Ok, ok. Donc, si je verrai quelque chose pareil. Donc là il faut suivre genre les trucs, toujours pareil. On est console interagir. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire hein? Il semblerait que cet appareil reconfigure les panneaux qui sortent du sol. Ouais. Ça pourrait être utile. Je ne sais pas si ça pourrait être utile, mais on va te croire. Nous il faut qu'on monte, toujours pareil, donc on va chercher comment monter là-haut. Monter là-haut. Ça ne se dit pas. Il va falloir que je passe par l'interface de contrôle. Ça va pas être simple là. Attends, attends. Veulent qu'on monte comment là-haut. Attendez, on va passer par l'autre peut-être qui est plus faisable. On va voir. On va voir. Ça me semble compliqué quand même. Hop. Allez. Hop. Non, non. Allez. Non. On va essayer de faire le tour. On passe en zone avec des radiations. On se croirait dans Fallout. Mais ça me semble pas faisable de monter par là. Il faut trouver pourtant. Il faut trouver. Allez. Non. C'est pas par là. J'essaie de...
de trichouiller. Mais non, on passera pas par là. On va aller récupérer des munitions. Non, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Alors la mobilité du perso, quand bah, c'était plus lourdeur, genre Gears of War, là c'est un gameplay différent, mais qui est vraiment très sympa. Je le critique pas. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire là? Dépouille. Hein. Pousse-toi. Hop, on récupère des trucs. Pour l'instant, je récupère des trucs sans trop savoir quoi en faire. On pourra pas monter là. Comment on fait? Les gars, hein, est-ce qu'il faut activer tous les panneaux peut-être? On va voir. Donc ben, pour l'instant, on y va un peu lentement. On va tous les activer. Ben, on les a tous activés, ça y est. Et ça ne fait rien. Est-ce que... On n'est pas allé voir derrière celui-là, voir si hein, ça m'étonnerait. Non, ben, c'est sûr que non. Ça y est, je vais devoir faire des... Je voulais pas faire de coupure en vidéo, mais... Je fais des vidéos détente où on y va tranquille. On va peut-être pouvoir passer par là. Ça me semble limite. Hein. Non. Vas-y, pose-toi là. Attends, on va essayer. Non. Bueno, bueno. Voilà, on est bloqué. On a fini le jeu, les gars. C'est fini. C'est Fecta Andromeda. Ça s'est redésactivé? Non. Non, on l'a... Attends. On va le refaire interagir. Non, je sais pas à quoi ça sert. Absolument pas. Est-ce qu'on va passer là en vrai? Un truc? Aller à l'intérieur? Non. Est-ce que... Ah si, wow! On a magouillé, alors je sais pas s'il y avait une autre solution que faire comme on a fait. Désolé, mais voilà, on galère un peu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. C'est bon, c'est scanné? Ouais. On va aller en face. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est ça qu'il faut scanner? Blablabla. Ok. Ça n'a pas marché, ça ne me l'a pas... Il faut qu'on aille où? Attendez. C'est pas ça? Est-ce que vous voyez où il faut qu'on aille? Ne dites pas qu'il faut aller là-haut. Hein. Ah, si, c'est là-haut. Aïe, oh là là. Oui. On va pas monter là. Attendez. Se moquerait-il de nous? Est-ce qu'en jump là? Non. Ah non. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au-dessus de nous. Oui, ben je sais bien que c'est au-dessus de nous, crétin. Là. Mais on n'a pas trouvé comment faire. Moi je vais me retrouver bloqué. Bon, ça va m'énerver. Là, ça va toujours pas aider, hein, vu qu'on est à 1 sur 2. Je comprends pas. Ces images-là, il en manque. Je me demande s'il y en a dans le coin. Oui, mais... Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Eh, tu te calmes, je sais que c'est au scanner, c'est là-haut. Mais là, comment tu veux que j'y monte, moi? J'ai pas... Datapad. On est tout près, je le sens. Une fois qu'on aura l'aide du linguiste, on le décodera. Toute cette technologie va forcément nous être utile. Ensuite, je pourrai revoir Carrie. On a démarré doucement, mais on va y arriver. Bon. Oh non! Non! J'écoute, hein. Ouais, France. Bordel. Les reliquats sont pas que des robots et des machines à ciel bleu. Faites gaffe. Ils ont sauvé toutes les données qu'ils ont pu. Au cas où ça aiderait les suivants. Et les suivants, c'est nous. Je comprends pas là. Hein. Ils veulent qu'on monte comment là? Enfin, y a un truc que je rate là. Putain, c'est ça, hein, c'est là-haut, mais. Non. Ça m'énerve.
On est bloqué. On est bloqué. Réfléchissons, hein. Est-ce qu'il y a une solution? Mais ça me saoule quand je bloque comme ça. Et en plus, c'est peut-être parce qu'on a trouvé une solution un peu à l'arrache, mais c'est pas la bonne solution, vous voyez, pour passer. Et c'est pour ça que ça marche pas. Hop, toi, tu te TP, t'as de la chance, moi j'aimerais bien pouvoir me TP là à chaque fois. Tu m'énerves, toi, hein. Tu m'énerves, tu m'énerves. Est-ce qu'il faut toucher à des... Ah! Tu me fais peur. On va pas glisser là. Je crois que ça suffira. Oh, on a réussi en glissant. Est-ce qu'il y a une autre manière, les gars? Non mais, vraiment, je vous le laisse. Parce que... Je pense qu'il y a une autre manière de faire. Mais j'espère. On a cassé le jeu, comme on dit. Mais voilà. C'est galère. Alors. Afin de décrypter le code reliquat, des glyphes doivent être placés dans la grille. Chaque glyphe ne peut apparaître qu'une seule fois par ligne, par colonne ou par forme délimitée. Ah oui, c'est les fameux sudoku dont les gens parlaient. Non mais attends, je me suis trompé. L'interface a échoué, pionnier. Non mais, je me suis trompé de touche. Ah, ça ramène des adversaires. C'est stylé aussi, quand même, vous sautez. Et, bon, ils vont me redemander de scanner, vous allez voir. Il va falloir remonter là-haut. Ah, je plaisante, mais... comment on fait? Ah, proposer la solution. Réinitialiser les glyphes. Parcourir les glyphes. LTRT. D'accord, les rouges c'est... Ah mais faut reconnaître ce qui n'y est pas. Moi déjà j'ai du mal. Celui-là n'y est pas. On va le remettre là. Parce qu'il n'y est pas là non plus. Et on va le remettre... voilà. Donc là je fais mes calculs, hein. Je fais mes calculs les gars. Celui-là. Il y est. Celui-là. Il y est pas. Ok. Celui-là. Il n'y est pas, donc c'est bon. Je crois. Celui-là. Ça a l'air d'être bon. Celui-là, non, il est juste à côté, il y a le même. Et je crois qu'on est bon. Et là, manque un. Est-ce qu'on va avoir réussi? Je sais pas, je vous promets rien. Celui-là, il y est tout en bas. Celui-là, il y est. C'est celui-là qui manque et qui n'y était pas. Allez. Oui, on a réussi. Voilà le fameux sudoku. Désolé. Je pense que les prochaines vidéos, c'est vraiment ma première vidéo Mass Effect Andromeda avec vous. On aura par la suite, ça sera un peu plus animé. Alors, c'est... Oula, oula, oula. Je crois qu'il y a des ennemis. Et voilà, on va vous proposer un peu d'agitation. Assez stylé, vous voyez, vous visez et boum, vous avez... Oh, c'est pas moi qui lui ai fait ça, c'est mes équipiers qui... Les gardes sont jamais très loin des reliquats qu'on trouve. Je disais la même chose. Alors, regardons la map. Je pense, ouais, faut qu'on parte. Donc on va prendre le véhicule. On va reprendre. J'ai failli dire le Mako. Non, c'est le nomade. Hop. Allez-vous. Je vous attends pas. Ils sont déjà là. On se contente de partir. C'est par là, mais je sais pas si c'est la bonne route.
Bon, on y croit. Ça peut passer n'importe où, ce Noël. Oui. Pas de problème. Allez, zou. Wouh. Ça va. C'est un engin lunaire. On est dans la bonne direction. Faut aller en plein milieu du truc. C'était là où on est. Ben, on y va. On descend. Hop là. Mets les coups de gaz un peu pour... histoire de pas le cramer. Attends, hop, on va se remettre en... Voilà. On change les... Le question de roue. On va partir par là. Faire des jumps et tout. Le gameplay est franchement très très sympa. On va descendre. Non, à chaque fois je confonds extraction parce que c'est bizarre que ce soit pas la même touche. Allez. La planète est très jolie, j'espère que... Regardez là-bas, il y a quelque chose qui sort du lac. La technologie est sous terre aussi. Allons voir ça. S'ouvre. Je vois une porte. Venez. Où tu vois une porte? C'est quoi ces bruits? Attendez, on peut pas passer là, on est d'accord. Oula. Ça forme un pont. Ok, c'est stylé. Il a l'air solide. Mais au cas où, préparez-vous à nager. Ouais. Si ça tombe tout d'un coup, va falloir nager. Allez, voyons voir. Il y a un style de véhicule là. Donc ouais, c'est de la découverte avec vous en même temps. C'est pas... Voilà, j'ai fait... Mais je me suis dit, c'est parce qu'on est arrivé sur cette map. Ah, il y a PB. C'est parce qu'on est arrivé sur cette map depuis pas trop longtemps. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit là? On peut prendre une autre arme. Ah, mais je crois pas. Ah, c'est fusil de précision. Est-ce que je peux le prendre, voilà. Et non, mais j'en ai pas. Le truc, c'est il faut que... Voilà, faut que je les crée. Donc, pour l'instant, on ne peut pas avoir d'autres armes. Mais dans mes prochaines vidéos, on en aura. Ne vous inquiétez pas. Enfin, peut-être. Donc, ça va spoiler, évidemment. Hein. Attention. Même si on n'est pas trop avancé pour l'instant. Non, non, c'est pas possible. Toute cette fanfare dans pour une pièce déserte. Il doit y avoir quelque chose de caché. J'en suis sûr. Faites votre truc de pionnier. Oh, bien joué. C'était trois fois. On fait le malin. On dit ce n'était... Non, allez, on fait. On fait le malin. En plus, on aurait dit que c'était facile. Vous croyez que c'est profond à quel point? La pression électrostatique? Oh non, gravitationnelle plutôt. Mais t'es bête, Pibi. C'était pas la porte d'entrée. La voilà, la vraie. Sauter. Ouais, allez. On va voir ça. On la suit. Là, on pouvait... on pouvait ne pas sauter et attendre. Je crois, de toute façon, tu vas sauter. Faut être impulsif des fois dans Mass Effect. C'était l'occasion. Je pense que je vais pas faire durer plus que ça cette vidéo parce que ça risque de spoil, etc. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos sur Mass Effect. Merci à vous d'avoir regardé et à très vite. En mode un peu plus détente que là où voilà. Merci et à très bientôt. Bye bye.